C'est Studio Leico. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour un nouveau Leico Life numéro 11. Fuck you. Alors oui, donc aujourd'hui, donc je sais pas si vous savez, mais oui, j'attaque beaucoup plus les Leico Life. Alors j'ai commencé par raconter un petit peu ma vie. J'ai commencé à faire les jeux et cette fois, et eh ben c'est les Leico Life et je ne sais pas pourquoi à chaque fois ça va être ça. Mais là, à chaque fois, oui, je vais faire beaucoup de Leico Life. Oui, je vais faire des placements de produits de merde et je ne suis pas payée, mais c'est pas grave. Alors si vous êtes en cachette en train de, alors si vous êtes en cachette en train de regarder trucs mes vidéos la nuit alors que vos parents ne veulent pas, c'est pas mon problème. Ceci n'est pas un exercice. Voilà. Putain, les conneries, les conneries, les conneries. Qui? Mon cul. C'était nul, mais bon, on va applaudir pour pas qu'elle pleure. J'ai tout entendu. Voici ma vieille trousse. Ma vieille trousse d'école, la pute. Oui, c'est une pute. Alors, déjà, la fermeture éclair par un couille. Et ça, c'est serré, putain. Oui, alors, ah oui, donc ça, ce sont des Lego. Bon, qui ne s'en fout pas. Qui ne s'en fout pas. Et ben, pas moi. Parce que c'est surtout pas intéressant, il faut pas lui dire. J'ai tout entendu. Tu veux du pain? Bon, on va boire parce que j'ai pas soif, mais je vais goûter. Oui, donc le bruit du phoque, ça marche à tous les coups. Ah, ça marche encore. On dirait même plus un phoque, on dirait un alien. Ceci est un nouveau micro. Je vous encule vos mères. Non, mais c'est un nouveau micro, après, si vous voulez, c'est pas un placement de produit, ok? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ok? Ok, tu te cailles, pédé? Non, 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 là, je bois dedans, moi. Non, moi, je bois dedans. Bon, je sais pas pourquoi. J'ai une bouteille d'eau en forme de micro qui rentre dans... Oui, non, non. Le moment le plus chelou du monde, c'est à ce moment-là. Ça vous rappelle des souvenirs vous ou pas? Eh ben pas moi. Ça me rappelle plutôt des horreurs. Tu veux de l'eau? Voilà. Ah oui, au fait, je voulais remercier Rudy Geek pour la vidéo qu'il a fait, sincèrement. Oui, parce qu'il avait dit tout ce que j'étais actif et tout. Ben franchement, j'ai envie de lui dire merci. Ça se voit que c'est un ami sur lequel on peut lui dire, on peut lui confier plusieurs trucs. C'est vrai, Rudy Geek, c'est un ami dont tu peux faire confiance. C'est-à-dire, c'est un ami où est-ce que tu peux faire plein de choses avec lui. Et aussi, où est-ce que tu peux faire plein de trucs avec lui. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh non, c'est pas vrai. C'est vraiment un... J'avais avalé mon ongle de doigt là. Ça m'a étouffé. Bah, en fait, Rudy Geek, c'est une personne dont... Moi je tiens beaucoup parce que... c'est bon, je suis pas en train de faire un mariage là par contre. C'est une personne dont je tiens beaucoup, putain je pleure. C'est une question dont je tiens beaucoup parce que... Parce que bah, c'est vrai, c'est un ami qui est vraiment au top. C'est un ami dont tout le monde aimerait avoir et personne n'aimerait perdre. Moi oui, un jour j'ai perdu Rudy une fois. Je me suis re-excusée, après je l'avais reperdu, je m'étais re-excusée, après je l'avais reperdu, je m'étais re-excusée. Donc du coup je l'ai perdu trois fois, je suis redevenue amie avec lui trois fois. Alors maintenant qu'on est amis, j'espère que ça va durer. Même, il n'y a personne de toute façon qui va nous faire séparer entre amis, tu vois. On est amis, moi je suis un petit peu avec leader tout quoi, sauf qu'en fait vous ne pouvez plus aller vous abonner, désabonnez-vous, hein. Abonnez-vous à moi. Non, je rigole, mais il continue plus sa chaîne. Ok, on ne voit plus. Et bien sûr, Rudy Geek aussi, vous pouvez vous abonner. Et parce que j'ai vu les vidéos qu'il fait. Et franchement, je suis vraiment fière de lui parce que sa chaîne avance bien. Et en plus de ça, moi, elle avance pas. Super. Mais c'est pas grave, en plus, il fait des facecam. C'est-à-dire qu'il peut être au moins vu et revu. Il y avait beaucoup de gens, peut-être, qui voulaient voir sa tête au moins. Comme mon cousin, hein, HK.exe. En fait, je lui ai dit une petite vanne, mon truc.
enfin mon cousin, je lui dis Duck, alors c'est bien parce qu'ils aiment tes vidéos. Alors voici ce que j'ai dit. C'est bien parce qu'ils aiment tes vidéos, mais quand tu vas faire la facecam, je crois qu'ils vont te désabonner en voyant ta tête. Je lui ai dit ça. Finalement, non. Mais normalement, ça devrait se passer comme ça. Sur YouTube, normalement, tu vois la tête de mec. Il est moche. Ah, bah, finalement, c'était des vidéos bien. C'est des vidéos bien. Mais en fait, tu t'abonnes à un YouTuber, il est qu'est-ce qu'on vient un peu, quoi, tu vois. Mais en gros, tu vois, genre, comment dire, ses vidéos sont bien. Quand tu découvres sa gueule, là, tu commences à plonger dans un univers où est-ce que tu commences à rentrer dans ses défauts. C'est-à-dire que, ouais, mais finalement, moi, je l'aime pas trop. Je disais que je les aimais, mais après, c'est pas vrai. Et tu te mets à parler tout seul. Pourquoi tu te mets à parler tout seul? Moi, j'ai même pas besoin de micro. Quoi, je suis un hamster? Voilà. Fuck you. Die. Oh putain. Non mais là c'est vraiment dangereux mon gars. J'ai fait tomber de l'eau sur la prise. Genre j'ai de suite débranché le ventilo. Oh putain, je dois aller chercher du sopalin et tout. Bon du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ciao ciao.